C'est pas spécialement difficile à faire, mais c'est le moment où c'est fait qui est assez extraordinaire. MOV Ken, le vainqueur du Togeki 2010, qui bah, pour s'amuser joue un peu Ken. Voilà, Paris, Sten HK, Ex Machine Gun Blow, avec Sten HK, Dragon, l'overhead s'est gardé à la relevée. Cette palette qui est complètement lancée dans le vide. Bon, il prendra bas moyen Shimpuji Rai. C'est la science du confirme, hein, c'est 3.3, c'est comme ça. Bah, rien avec le gros point en punition. Prend bas moyen que Sadoken, le Bashka, Rebashka, donc peur, il a pas compris, attention à la relevée, le Daishoryu qui trade sur ce nouveau bas gros pied de Rikimaru, 1-0 pour MOV, mais la sonnette d'alarme quand même lancée, regardez ça, bien joué, à Bashka, Machine Gun Blue, Duck Upper, avec overhead encore, mais target combo pas juste derrière, il préfère se replier, Duck Upper après le Bashka, une petite rose séparée, l'overhead bien gardé, et le bas moyen dragon, back throw qui permet à MOV de remettre l'attaque. Dommage, il n'a pas à target sur ce moyen point. Il aurait pu, ça aurait pu être avantageux. Oh, Paris du dash avant, balle high kick avec immédiatement la punition derrière. Sen HK avec Machine Gun Blow, Rikimaru, un partout face à MOV. Il y a du beau jeu, hein, il y a du beau jeu, je vous dis. Hein, d'arriver au 12e Dan, là, on a réellement un niveau de jeu extrêmement élevé. Duel K, Shimpuji Raikaku, ça c'est du grand classique. Avec 50% de barre de vie, avec cross-up, bien joué, bien masqué après ce high jump. Tous les persos ont un high jump hein, dans 3.3. Overhead, super. Une grande classique, ça marche aussi dans 3.3. Et ça, c'est un link hein, complet, ce genre de choses-là. Bien joué ce petit ball high punch kick trop pour placer la shop. Il dash avant cross-down. Qui a évité ici ce ex Tatsumaki aérien. Dragon, ça passe dans la garde avec Machine Gun Blow. Machine Gun Blow, Duck Upper et Rocket Uppercut. Ça, il l'a pris en intégralité son combo. Ça fait bien mal. Bon, le tout, c'est pas de prendre un Balaiki quand même. Bah, ça suffit. Hein. Les lots, ça suffit. Il a essayé de lui en mettre des lots et bam, une bonne grosse casquette comme ça. Un coup d'overhead avant gros point. Ça remet les idées en place. Rikimaru contre Vanao. Et dash avant cross down. Bam, Tatsubaki, c'est con. Il prend le deuxième en faisant faire Red Paris. Mais là, ici sur Red Paris. Overhead, on garde le premier hit. Et on met le pari sur le deuxième. Ce qui donne un Red Paris. Denjin Hadoken. Il est pas encore stun. Le bas HK qui whiff. Ça veut prendre dans la garde. Sur HK, il l'a encaissé. Allez, récupère un peu de son stun. Le pari aria. Et la chope sur l'overhead. Bien lus. Aussi, il garde tout le Tatsubaki. C'est HK. Dommage, il n'y a pas de cancel. Rikimaru doit pas rater ça. Et du coup, bas medium kick avec Tatsumaki. Le met stun. Il était bien Rikimaru, il avait réussi à lire les phases sur ce round là. Et pourtant bah, il se fait encaisser bêtement son stun alors qu'il avait étouffé pour pas le prendre. Bien joué hein, ce petit pari ici du dragon. Avec la punition juste derrière. Et repari HK, Machine Gun Blow, un deuxième, Duck Upper. On met pas la super, ça sert à rien, ça gratte pas assez. Avant MK, les body toss. Et le Duck Corkscrew Blow qui est bien paré, un hit aérien. Attention ce Dejin, oh, il prend son HK. Soit HP, pardon, c'est très bien joué de la part de Rikimaru qui est encore dans la course avec le Varet Kawif et chop, ça remet Sivanao dans le coin. Pari. Et Sten HK Dragon avec ici la rose. Juste histoire de feinter le pari pour passer juste dragon derrière. Double pari d'ailleurs de Vano qui est raté sur ce dragon. Dommage. Ce qui permet ici à Rikimaru de prendre le premier round. Overhead Corkscrew Blow, c'est un classique avec pari Die Punch Judan. Le sommet de punch et le Denjin dans le reset. C'est stun. Et SOHK, pas gros point Tatsumaki. La barre quand même sur croix de combo. Dash avant Tatsu. Mes amis, Dash avant Tatsu et Tatsumaki cross-up en corner sur le Corkscrew Blow qui se décale. Y a pas de corner cross-up réel. Non, Street Fighter 3.3. Mais ici, Rikimaru s'est décalé du coin avec la super. Et vous avez eu cette petite fin dash avant avec Tatsumaki. C'est des carottes à la Street Fighter 4, ça. Carottes de D-Shop parfaites. C'est pas souvent, n'empêche que je vois ça dans Street Fighter 3. Peut-être que ça a donné des idées, hein, tout de même, sur l'utilisation confortable des coups en ex aux joueurs. En tout cas, le jeu a énormément évolué hein, depuis ces dernières années. On voit hein, même Vanao joue pas du tout pareil qu'il y a 2 ans. Elle est opposée ici à Iga. Tout le monde est à 0. On a une poule donc assez équilibrée dans ce 12ème Dan. Bien joué. Pingui kick suivi du super cancel. Un classique avec encore overhead encaissé. De light kick de MK. Le dash avant cassé par le stand light punch avant HK. C'est stun. Et le stand medium kick sanctifie juste derrière avec target. Il y a des targets partout hein, de toute façon. MK HK. C'est target combo complet hein, pour Ibuki. Avec ce Tsumuji encaissé avec le high jump ex Kunai. Il est évité Vano. Mais tout de suite mis dans le coin. Avec une grosse pression là.
quand même mise par Iga. Avant HK, ça encore whiffé. Allez, la mise au coin avec la chope à la relevée. Il a essayé de repasser une chope et prend pas medium kick. Il permet ici à Iga de s'extirper du coin. Mais reback trop avec remise en coin de la casualcale de Engine. Et c'est complètement passé en whiff. Dommage, hein. Gaspiller son. Ah non, par contre, il joue Shinkuadoken. Et c'est pour ça, ça me paraissait assez bizarre qu'il n'ait pas pu timer plus que ça. Il joue en S1 Shinkuadoken sur Ibuki. Eh ben, il va prendre Pinwheel Kick super. Et théoriquement, ça gagne. Il est à 0 vital. Le pari ex-dragon. Alors, relevé peut-être le tout pour le tout. Eh bien, oui, il réussit à remporter ce match-là. Vanao avec ce 2LK décalage Daishoryu. Fallait le tenter hein, quand même, ce Daishoryu. Parce que derrière, ça passe dans la garde. Il n'y a plus rien. Il y a juste la mort. Hein. Bien joué, pari après ce dash avant du Stanley Punch. Overhead à la relevé. C'est le kick. Tu sautes pas. Balayette reste à terre. Où est-ce que tu vas? C'est lui qui encaisse la balayette. Mais il évite ici cette nouvelle balayette à la relevé par un backdash. Avec Sumuji, avec mise à terre. Ce light kick, le light punch. Dommage, il rate son combo ici. Iga, la remise au coin avec cette chop. Et c'est ce coup-ci Vanao qui tire parti le mieux de cette phase de relevé de cette Kizeme. Comme on dit, Stanley Punch, Stanley Medium kick avec Sumuji. Stanley Punch avant HK. Et le saut HK qui sauve ici Vanao avec un petit Stanley Punch. Red Parry, bien joué. Et bien voilà, Red Parry du Shakunets. Red Parry, qu'est-ce que c'est hein, concrètement? C'est lorsque vous encaissez un coup en garde et que vous parez le second hit. Il y a certains coups dont le block stun permet de faire ça. Il y a un petit trou hein, très très léger entre deux block stun, ce qui permet de faire block et pari, c'est-à-dire de changer de bloc en fait au milieu de la bataille. Bon, et partout TM, qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Y'a rien à faire. Chop chop, c'est passé dans le vent. Et encore le dash très crossland qui permet de sortir du coin. N'a pas encore taunté ici TM, il laisse pas vraiment le temps. Vous avez vu quand même la barre de vie qui descend très rapidement hein, de Q lorsqu'il a pas taunté. Avant HP ça fonctionne en entier. Il est un peu chanceux à mon avis sur ce genre de coup là. Soit rien HK. Il a pas trop d'idées pour le moment. TM, bien joué, encore un soul punch en whiff pour placer une back throw. La mise au coin et ce target combo qui a whiffé. Pardon, on aurait pu servir les patates. Boum, allez, prends ta barre. J'adore ce coup là. Et c'est un confirme complet hein, de la part de TM sur bas petit point, Austin petit point, je crois. La super patate entièrement rentabilisée hein, sur Ibuki. Ça fait plaisir quand même quand ça passe. Faut voir comment la barre vole. Et c'est évidemment une source d'attention constante hein, pour l'adversaire. Encore un dash très cross down avec la double tente de la part de TM qui est maintenant bien haut dans la stamina. Une petite tente supplémentaire et ce sera parfait. Dash très à la relevée, il aurait pu parer, ça c'est assez lisible. Et ici, feinté dash très juste pour à la fois charger la barre de super, mais aussi feinté des paris lorsque ça passe en whiff. Oh, avant HK, il a pris la botte en pleine tête. Attention, cette chop magique qui whiff complètement. Les claques aussi, ça ne passe pas. Avant medium key punch pour se rapprocher, il a rien mis derrière TM. Toujours en avance, le dash low bien protégé. T'es dans le négatif x100. T'es au doigt au moins, t'as moins 8000 sur ce genre d'attaque. Dash très grand zone avec TM qui repart à l'attaque. Mais encore la super patate. Hein. C'est-à-dire qu'il peut en terminer encore avec une super patate cash. Il saute vertical. Il saute beaucoup. Et voilà. Paf. Et deux fois la même finish de la part de TM. Ça t'apprendra à sauter. Pourquoi tu sautes? Reste au sol. Dash avant. Super. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, en entière. Trop lisible. TM qui a su s'imprégner du jeu ici de Iga. Et face à Shao, c'est pas mieux. Déjà 40% de barak. Deuxième shop magique. En revanche, c'est évité par Shao. Ibuki peut en cacher une autre. On va voir comment TM va s'en sortir. Stanley Punch, ça casse ici tout le mix-up de Shao. C'est bien, je vois pas gros point. C'est complètement overhead ça. Et ça passe entièrement avec le saut vertical bien cassé par Shao. Mais les coups normaux de Q qui sont extrêmement puissants. Chop. Il a tout pris malheureusement ici pour Shao. Et ça joue encore en super patate. À l'utilisation de la super patate, il prend l'Aida d'entrée. Ça c'est plutôt triste comme ouverture de match. Chop magique, c'est dans le vent. On prend medium kick avec Sumuji avec target combo arrière, target au sol, décalage, mais c'est lui qui se fait choper justement sur cette phase là. Avec encore la chope spéciale arrière, medium punch anti-air, mais qui a été paré ici par Shao sans être suivi une phase de cross. Où on sait pas trop où était le nord, où on sait pas trop où on devait mettre le joystick pour parer. Bah, moyen pour anti-air, dash, suivi de la chope. TM qui repart à l'attaque avec ce pari, medium kick, dommage, il y avait super patate à suivre. Oh, c'est bien joué encore ce wall jump super, ça passera quand même dans la garde. Cross-up c'est gardé par TM qui est maintenant en retard, très en retard à l'énergie, mais qui revient petit à petit. Balai punch, je pense au medium kick. Instant overhead qui n'est pas passé avec dash avant. Stanley punch, décale la chope à la relevée. Et encore instant overhead qui whiff sur TM. Sur arrière la kick, c'est quand même osé. Il peut plus rien prendre dans la garde. TM, je sais pas trop comment ça sortir de ce repos.
Et bien voilà comment on s'en sort. Et boum. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que je le remporte ce match-là. Au zéro de Vital, s'il vous plaît, TM à plus 2, bah c'est lui. C'est ce Q qui est en train de faire le show pour le moment dans cette poule Mossa, dans ce 12e Dan. Paris du HK et immédiatement la tentative de punition qui ne passe pas. Difficile de punir Ken. Les Ken, c'est quand même relativement lisible. C'est ça qui est assez intéressant. Beaucoup plus simple à jouer contre Ken que contre des Chunis avec Q. Puisque bah, c'est souvent des moyens qui t'arrivent dans la tête. Vous voyez, comme un bas moyen ici qui a touché de très très loin. Et là, claque évidemment. Le pari qui se faufile au milieu de cette série claque. La taunt immédiate qui donne eh bien, plus de force au prochain combo. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Mofi? Il essaie de red parer la furie de TM. Et du coup, en voulant faire le malin, bien joué à Sasumaki. Dragon, double dragon hein, sur Q. C'est tellement gratuit. Et dragon à la relever. Il a mis double dragon avec Satsu Cross-up. Dragon. Ça fait 4 dragons encaissés. Un autre dragon à la relever. Soit une série de 5 dragons. Généralement, tu n'en sors pas indemne hein, de ce genre de choses. Duelka, Shinpu Jirakaku. C'est très très mal parti hein, pour TM. Hein. C'est-à-dire, c'est MOV. La taunt de la part de MOV qui prend une back throw ici très très bêtement. Ça n'aille pas le chantier. Reback throw encaissé par MOV avec l'avant HK. Bien gardé par ce dernier. Mais ça n'est pas gagné pour autant. La taunt qui se fait immédiatement casser. Mais la putain de TH magique. Ex dash frais et patate pour immédiatement taunter. Ça met à l'abri de tout. Universal over a été passé, mais prend soin avec Tatsumaki. Double dragon encore. Qu'est-ce que ça fait mal. On note hein, l'utilisation de la S1 hein, pour Q face à Ken. Le confirme hein, qui est mieux que la sanctification pure et dure. Il a failli tout parer hein, ce saut avec Tatsumaki. Il s'est attaqué beaucoup à ça. Et ben voilà, vous je dis, le confirme. Dash très super. C'est un grand classique. Le tweet de savoir que ça passe. Alors un confirme est un confirme, hein. Je rappelle à ceux qui disent oui mais mouline l'écart avant, il voit si ça touche, t'appuies sur point. Bien sûr, il voit si ça touche, t'appuies sur point. Bah, la manière dont tu confirmes ne regarde que toi, hein. L'important c'est que ça passe en combo, donc c'est ce qu'on appelle un confirme. Et le dragon Stemind est dans la garde, avec le taunt, bien joué sur le RHK. Alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas spécialement, mais en fait la taunt est presque considéré comme un coup spécial, puisqu'ici vous l'avez vu canceller le arrière HK, en tout cas le début du arrière HK, celle où il n'est pas encore à terre, par la taunt. Et ça n'est pas ce qu'on peut appeler un Kara Cancel en fait, parce que la définition même du Kara Cancel, c'est l'annulation des startups, c'est-à-dire pas encore sur les active frames d'un coup. Et ici on était clairement sur les active frames du coup, puisque le arrière HK a touché en corner. TM qui vient encore de montrer quelque chose d'assez incroyable. Ça c'est la punition immédiate, le Shinpu Jirai dans la garde, c'est ce qu'appelle le non-confirme avec double taunt derrière, et c'est gratuit, la back throw, il n'y a plus qu'à terminer. Movie, voilà, Balai Punch en fin de Paris, suivi de Chop, un grand classique. TM se retrouve donc à plus 3 dans cette série de Dan.